La joie était visible ce vendredi 31 juillet 2015 dans plusieurs universités et institutions supérieures de la ville de Mbujimayi. La collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2014-2015 ont vécu ce jour en présence du gouverneur de province qui a choisi un échantillon de trois institutions. À l'université officielle de Mbujimayi, le professeur Alexis Mpoimukala, recteur de l'UEM, a remercié vivement Alphonse Ngoyi Kiasangi pour toutes ses actions dans cet alma mater, où il construit d'ailleurs un bâtiment ultramoderne devant servir d'auditoire. Dans son discours, le gouverneur du Kassai Oriental félicite les lauréats. Sa société Ngokas Trading va verser 50 000 dollars américains à cet alma mater pour sa construction. Sur place, Ngoyi Kiasangi a remis 5 000 dollars pour l'achat des 500 chaises plastiques. Deuxième étape de la journée, l'ISP Mbujimayi, où le chef de l'exécutif a félicité le nouveau comité de gestion et les lauréats. Ngoyi Kiasangi a promis 30 000 dollars américains à cette institution. Sur place, un montant équivalent à 200 chaises a été remis. Dernière étape, l'Institut universitaire du Congo. L'UIC est une institution nouvellement créée à Mbujimayi. Le président des étudiants a salué la qualité des bienfaiteurs d'Alphonse Ngoyi Kiasangi. Le gouverneur de province a promis 10 000 dollars américains à cette jeune institution. Au total, la société Ngokas Trading va remettre 90 000 dollars aux trois institutions précitées.